Bonjour, chers élèves. Je suis Monsieur Gokuba Rodrigo Marius, professeur certifié des lycées. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un cours de géographie, niveau terminal, qui porte sur l'OG3, comprendre les divers aspects humains et urbains du Congo. Et la leçon du jour, c'est donc l'OS3.1, l'évolution et les structures de la population congolaise. Alors, le Congo est parmi les pays les moins peuplés d'Afrique. Sa population augmente d'une manière croissante et présente des structures variées. Au grand 1, nous avons donc l'évolution de la population. Petit 1, l'évolution numérique de la population congolaise. Alors, ici, nous avons donc un tableau qui nous montre les différentes données issues des recensements et des estimations entre 1950 et 2020. Ce tableau est donc divisé en trois colonnes. La première, nous avons donc les années, le recensement et les estimations. Donc, 1950, il n'y a pas eu un recensement. L'estimation était donc de 675 000 habitants. 1969, il n'y a pas eu de recensement non plus. Et les estimations donnaient donc à cette population de 1 080 000 habitants. 1975, il y a eu un recensement. Et la population congolaise était donc de 1 319 720 habitants. 1984, il y a eu un recensement. La population était donc de 1 909 248 habitants. 1991, il n'y a pas eu de recensement. Et les estimations données, donc les estimations tournent autour de 2 730 770 000 habitants. 2007, c'est le tout dernier recensement. Et la population congolaise était donc de 3 697 490 habitants. 2010, il n'y a pas eu de recensement. Et l'estimation de cette population était donc de 4 831 000 habitants. 2014, pas de recensement non plus. La population était donc de 4 millions, les estimations bien sûr, était donc de 4 662 446 habitants. 2020, pas de recensement officiel. Et les estimations étaient donc de 5 400 000 habitants. Alors, en regardant ces données statistiques, nous pouvons dire que la population congolaise est croissante. Elle évolue. Parce que si on prend que les estimations de 1950 et on prend les estimations de 2020, donc il y a vraiment une différence. Donc, c'est une population qui augmente d'une manière vertigineuse. Alors, au petit 2, nous allons voir donc les facteurs. Les facteurs de l'évolution. Les facteurs de l'évolution de la population congolaise. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent l'augmentation, pas l'augmentation, quels sont les facteurs qui expliquent l'évolution de la population congolaise. Alors, parmi ces facteurs, nous avons donc la natalité. Deuxième facteur, nous avons la mortalité. Troisième facteur, nous avons l'accroissement naturel. Quatrième facteur, nous avons donc l'espérance de vie.
l'espérance de vie. Et enfin, nous avons donc les migrations. Les migrations. Alors, donc, ce sont donc des facteurs qui concourent à l'augmentation rapide de la population congolaise. Alors, parlons de la natalité. Le taux de natalité, en tenant compte, bien sûr, du recensement de 2007, était donc de 41%. Alors, en regardant ce taux, on peut dire que ce taux était donc élevé, donc une forte natalité. Et quels sont les facteurs qui expliquent ce fort taux de natalité? Parmi ces facteurs, nous avons donc la forte fécondité. Ensuite, nous avons les mariages précoces. Et enfin, nous avons donc les traditions natalistes. Alors, c'est quoi donc la forte fécondité? La forte fécondité ici, elle est donc liée à la fécondité. Elle est liée à la fécondité. Alors, pourquoi elle est élevée? C'est parce que certains couples se désintéressent aux mesures contraceptives. Parmi ces mesures, nous avons donc l'emploi, l'utilisation donc des pilules, l'utilisation des préservatifs. C'est ce qui fait que ce taux augmente. Deuxième raison, nous avons donc les mariages précoces. Nous sommes toujours au niveau du taux de natalité élevé, les mariages précoces. Et ici, plusieurs filles mineures se marient avant l'âge légal. Donc 18 ans en principe. C'est ce qui fait que certaines filles peuvent avoir 5, 6 enfants. Et la dernière raison de ce fort taux de natalité élevé, c'est donc les traditions natalistes. Alors, la tradition nataliste ici, c'est celle qui encourage les naissances. Après avoir parlé ou expliqué l'évolution numérique de la population congolaise, nous allons donc passer au petit 2, les facteurs de l'évolution. Les facteurs de l'évolution de la population congolaise. Et parmi ces facteurs, nous avons donc la natalité, la mortalité, l'accroissement naturel, l'espérance de vie et les migrations. Alors, en 2007, le Congo avait donc un taux de natalité de 41,7%. Et ce taux s'explique donc par une forte fécondité. Ici, certaines femmes se désintéressent aux mesures contraceptives. C'est ce qui augmente les naissances. Ensuite, nous avons donc les mariages précoces. Les mariages précoces, les filles se marient avant l'âge. Les filles mineures, bien sûr, mettent au monde avant l'âge légal, 18 ans par exemple. Enfin, nous avons donc les traditions natalistes. Tradition nataliste, c'est donc cette tradition qui encourage les naissances. Ici, l'enfant est un bien précieux, l'enfant est une assurance. Et d'après cette tradition, l'homme est donc le moteur du développement socio-économique d'un pays. Deuxième raison, ou deuxième facteur de cette évolution de la population congolaise, nous avons donc la mortalité. Alors, la mortalité, elle est en recul, partant toujours du dernier recensement de 2007, elle était donc de 13 pour 1000. 13 pour 1000. Alors, cette mortalité s'explique donc par les conditions
sanitaire précaire. Après la mortalité, comme facteur de l'évolution de la population, nous avons donc l'accroissement rapide. L'accroissement rapide, le taux d'accroissement rapide, il était donc de 2,8%. Après, nous avons donc l'espérance de vie, qui est donc la durée moyenne des êtres vivants sur Terre. Et généralement, cette espérance de vie est plus courte chez les hommes et elle est donc élevée chez les femmes. Alors, parlons toujours de l'espérance de vie. Parlons de l'espérance de vie. En s'appuyant toujours des données du dernier recensement de 2007, elle était donc de 53. L'espérance de vie, 53 ans pour les femmes. Espérance de vie, 53 ans pour les femmes. Et pour les hommes, elle était donc de 50,1 ans. Là, c'est chez les hommes. Alors, quelles sont donc les raisons ou quelques raisons qui justifient cette espérance de vie courte chez les hommes? Donc ici, on peut donc citer l'alcoolisme, parce que les hommes boivent beaucoup, le tabagisme et les durs travaux. Le dernier élément de l'évolution de la population congolaise, nous avons donc les migrations. Les migrations. Les migrations. Alors, le Congo est un pays hospitalier. Et c'est ce qui fait que plusieurs étrangers viennent au Congo pour plusieurs raisons. Ça peut être les raisons politiques, ça peut être les raisons économiques. Et c'est surtout les raisons économiques qui justifient cette attraction. Quand les gens viennent, c'est justement pour exercer les activités économiques. Et parmi ces immigrants qui viennent au Congo, nous avons les ressortissants de la RDC, nous avons les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, nous avons les Chinois et nous avons même les Indiens qui viennent au Congo pour exercer diverses activités. Alors, nous avions fini d'expliquer l'évolution de la population, c'était donc le grand 1. Et au grand 2, nous allons donc voir les structures de la population. Au petit 1, nous avons donc la répartition par âge et par sexe. Alors ici, nous avons un tableau qui est donc divisé en trois colonnes. La première, nous avons donc les tranches d'âge, pourcentage, population. Alors, les jeunes de 0 à 19 ans représentent un pourcentage de 49,39% pour une population d'1,807,379 personnes. Les adultes de 20 à 59 ans, un pourcentage de 46,16% pour une population de 1,712,603 habitants, personnes plutôt. Les vieux, 60 ans et plus, représentent un pourcentage de 4,45% pour une population de 167,508. Alors, en regardant ce tableau, nous constatons qu'il y a une forte population juvénile, c'est-à-dire de 0 à 19 ans, et cette prédominance de la population juvénile s'explique par un fort taux de natalité élevé, et ensuite, il y a également la baisse de la mortalité maternelle et infantile. Alors, au petit 2, nous allons donc voir les secteurs d'activité. Petit 2, les secteurs d'activité. Les secteurs
d'activité. Les secteurs d'activité. Petit 2, les secteurs d'activité. Il existe généralement 4 secteurs d'activité. Nous avons donc le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternaire. Alors, au Congo, le secteur quaternaire nous représente à peine 1%. Alors, au petit 2, nous allons donc aborder la répartition par secteur d'activité. Généralement, il y en a 4, mais le secteur quaternaire nous représente à peine 1%. Donc, il est encore embryonnaire au Congo. Et donc, nous avons le secteur primaire qui représente 40% de la population active. Le deuxième secteur, le secteur secondaire, qui représente 13% de la population active. Et enfin, nous avons donc le secteur quaternaire qui représente 47% de la population active. Alors, en regardant ce tableau, nous pouvons dire que les activités sont réparties d'une manière inégale. Par secteur, activités sont inégales. Et ici, on note donc une prédominance du secteur tertiaire avec 47% de la population active. Alors, cela donc s'explique par les activités informelles. Et les activités informelles ici, ce sont donc l'ensemble des activités qui échappent au contrôle de l'État. On peut donc citer la sculpture, la fabrication du pain manuel, la fabrication du vin local. Donc, ce sont donc ces activités informelles, quelques activités informelles bien sûr, qui échappent au contrôle de l'État. Alors, au petit 3, nous allons voir la petit 3, nous verrons donc la composition. La composition par niveau de vie. La composition par niveau de vie. Composition par niveau de vie. Le petit 3, nous avons donc la composition par niveau de vie. Alors, le niveau de vie de Congolais se vérifie par l'indice de développement humain qui comprend le revenu moyen par habitant, l'espérance de vie et le taux de scolarisation. Le revenu moyen des Congolais, il fait donc un produit national brut de 700 dollars par habitant. Le SMIG est donc faible et la moitié de la population congolaise vit dans la pauvreté, soit 51%. Alors, il ressort que les femmes chefs de ménage sont relativement plus pauvres, avec un pourcentage de 45,%. Et donc, les femmes vivent dans une situation précaire. Deuxième élément, nous avons donc l'espérance de vie. L'espérance de vie ici, nous l'avions dit en amont, c'est donc la durée moyenne d'un être humain ou d'un être vivant sur Terre. Et en tenant compte des statistiques de 2007, pourquoi 2007? Parce que ce sont les données du recensement. Le dernier recensement date de 2007. Et donc l'espérance de vie des Congolais était donc autour de 51,6%. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette espérance de vie a augmenté. Enfin, nous avons donc le taux de scolarisation. Alors, le Congo est parmi les pays, voire même de la sous-région, qui a un fort taux de scolarisation. Donc, ce taux de scolarisation est donc de 80,9%. C'est vraiment un taux de scolarisation élevé. Alors, chers élèves, nous venons donc d'expliquer
les différents points de notre cours qui portaient sur l'évolution et les structures de la population congolaise. Au petit temps, nous avions donc vu l'évolution de la population avec un tableau. Au petit 2, nous venons de voir les structures de la population congolaise. Alors, la population congolaise évolue de manière croissante. Les structures démographiques, professionnelles et sociales reflètent celles d'un pays en développement. Alors, vous êtes en terminale, vous devez travailler chaque jour pour obtenir votre baccalauréat. Ceci étant, vous avez ici un sujet que vous allez traiter à la maison. Le sujet, l'intitulé est donc « Expliquer l'évolution et les structures de la population congolaise ». Expliquer l'évolution et les structures de la population congolaise. Lisez régulièrement vos leçons, respectez les mesures barrières. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci.